La lisanga accompagne nga na mbeto butu butu. La lisanga accompagne nga na mbeto butu. Bien sûr. Hey yo yo yo, salutations à toi famille en espérant que tu te portes bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour une petite réaction de par le clip Un coup de Fally Ipupa feat Dadju. Pour tous ceux-là qui ne connaissent pas Fally Ipupa, eh ben, y a un portrait qui apparaîtra juste là que j'ai déjà réalisé concernant l'artiste. Pour tous ceux-là qui également se poseraient la question de savoir qui est Dadju, eh ben, Dadju c'est un artiste auteur, compositeur, interprète français d'origine congolaise, issu d'une famille de musiciens dont son père est Juna Janana, l'ancien transfige du groupe Viva la Musica du feu Papa Wemba. Dadju est un frère de Maître Gims. Eh ben, vous me direz, family, en commentaire si vous aimeriez assez que je revienne, on va dire, sur l'artiste pour faire un tout petit peu, on va dire, son portrait, question de vous faire montre carrément de ses œuvres et de qui il est réellement. Dadju n'est plus un artiste à présenter, il pèse dans le game français. Eh ben, ce qu'il faudra savoir est qu'il a également sorti un album, Poison ou Antidote, édition Miel Book. Je reviens dans une nouvelle vidéo pour parler uniquement des sites artistes. En fait, family, ces titres, un coup, regroupe deux grands poissons de la musique, on va dire, urbaine, qui pèsent dans le game déjà. Ce sont de grands lovers. Le fait pour eux de collaborer sur ces titres, un coup, qui est déjà disponible sur YouTube. Écoutez, family, c'est juste un pur bonheur. C'est juste un délice pour les yeux. Et ben, family, avant de passer à ma réaction, je vous invite à suivre, on va dire, la vidéo première écoute que j'ai réalisée qui apparaîtra dans le subjection juste là. Regardez cette vidéo. Il y a 5 ou 6 titres déjà qui m'a permis à réaliser cette vidéo. Avant d'aller beaucoup plus loin, cher ami, s'il vous plaît, je vous demande à tout le warrior surtout, like, commentaire, partagez la vidéo. Il y a un commentaire que j'ai lu comme quoi il n'y a pas suffisamment de vidéos de ce genre pour mieux promouvoir, on va dire, la musique congolaise. Eh bien, écoutez, je suis là. Abonnez-vous pour tous ceux-là qui ne l'ont pas encore fait. Partagez la vidéo. Je ferai de tonnes et de tonnes de vidéos sur différents artistes, on va dire, toujours dans le but de lever un tout petit peu le niveau, de leur offrir une visibilité et par ricochet, une petite promotion de ma part. C'est là et tout simplement ma contribution. Donc voilà, family. Au fait, family, vous réaliserez dans cette vidéo qu'il y aura 2-3 parties simplement, on va dire, du clip. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de balancer tout le clip carrément. Veuillez me comprendre, ne m'en tenez pas rigueur. Ça fonctionne ainsi sur YouTube. Quand tu ne possèdes pas telle ou telle, on va dire, autorisation, tu ne peux pas balancer, on va dire, le clip en entièreté. Raison pour laquelle je vais scinder simplement et puis ce sera bon. Let's go. En ce qui concerne le titre « Un coup, Fally Ipupa feat Dadju », c'est juste une pure merveille, j'ai envie de dire. Une déclaration d'amour faite à une femme de la plus belle de manière possible. Et c'est mieux illustré dans ses clips déjà. Elektra, le label de l'artiste Fally Ipupa, a fait un excellent travail. Vous serez d'accord avec moi. De par le visionnage de ses clips, personnellement, j'ai réalisé que l'artiste a voulu lier l'utile à l'agréable, tout simplement. Eh bien, écoutez, le clip est un tout petit peu exotique, ambiance tropicale. La femme africaine est mieux représentée, ce qui est important. D'ailleurs, au fur et à mesure, on voit une forte représentativité dans le clip de certains artistes, une place, on va dire, consacrée à la femme africaine. Elle est belle avec sa peau ébène, quoi de plus normal d'ailleurs. Fally Ipupa a su, on va dire, jauger entre les deux pour en soutirer quelque chose de meilleur. Et ben, vous serez agréablement surpris. Moi personnellement, ça m'a pris des hauts, j'étais bluffé carrément. Je visionnais le clip au moins 4 à 5 fois. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas m'arrêter, je voulais scinder tout le détail pour en faire une réaction, tout simplement, on va dire, de ces clips et des surcroît de cette chanson family. Et ben écoutez, en faisant la vidéo première écoute, je omis tout simplement de mettre ces feats. Pourquoi? Parce que c'est une belle, alors une très belle chanson. Et ben jusque là, j'auditionne encore l'album. Je vous reviendrai dans une vidéo, on va dire,
assez longue pour examiner, on va dire, titre par titre. Eh bien, écoutez, le texte est bon, la mélodie est bonne et l'intervention de Dadju est juste subliminale. C'est beau, c'est merveilleux. Oh là là, je n'ai pas le mot carrément, quoi. Family, je vous recommande vivement ces titres. Eh ben, écoutez, l'album Tokos 2 est juste une pépite, on va dire. Il y a de mélodies à vous couper le souffle. Eh ben, soutirez 2, 3, 4, on va dire, hein, vos coups de cœur surtout. Écrivez-le moi en commentaire, ce sera quelque chose de bien. Je me donnerai un plaisir de réagir, Family. Écoutez, Family, comme le Warrior le savent aussi bien, la fan buzz de l'artiste Fally Ipupa, à chaque fois qu'il y a une annonce, quand il y a une chanson, quand il y a une nouveauté, que ce soit sur sa chaîne, que ce soit sur sa page, que ce soit dans telle ou telle autre chose, eh ben, il y a une certaine mobilisation, on va dire, pour atteindre tel ou tel objectif. Et ben, l'objectif que moi j'ai pu, on va dire, en soutirer dans 2-3 commentaires, l'objectif est d'atteindre 1 million de vues sur YouTube en 24 heures. Et ben, écoutez, Warrior, c'est à vous de soutenir votre artiste comme vous le faites aussi bien déjà. Par ricochet, j'aimerais également que vous soutenez, on va dire, ma chaîne. Abonnez-vous pour tous ceux-là qui veulent nécessairement retrouver 2-3 vidéos qui parlent de l'ère artiste Fally Ipupa. Et ben, faites-moi confiance. Sur cette chaîne, je réaliserai telle ou telle autre vidéo Family pour nécessairement vous mettre à l'aise et vous donner votre place, on va dire, de fanatique beaucoup plus aguerri de Fally Ipupa. Soutenez Family, cette chaîne, en vous abonnant, on va dire, et en likant la vidéo tout en la partageant d'ailleurs. Et ben, dans ces clips, ce que j'ai remarqué également, c'est la SAP. Vous savez, le Congolais avec la SAP, c'est une autre histoire d'amour carrément. Et bien, la SAP a été mieux, alors mieux représentée. Le fait déjà de mettre Fally Ipupa, Dadju, sur un titre, déjà, c'est une explosion, on va dire. Tout simplement de douceur, de mélodie, de la SAP aussi, parce que c'est très, très, très bien représenté. Et bien, écoutez, Family, sur cette note, nous allons mettre un point. Pas définitif, mais temporaire. Je vous reviendrai dans une nouvelle vidéo, Family, pour parler de tel ou tel autre titre également et faire un conseil de classe et revenir sur l'album Tokos 1 pour essayer, on va dire, de comparer le 2 carrément. Donc voilà, c'est une promesse que je vous ai faite carrément. Je vous reviendrai dans une nouvelle vidéo d'ici là. Portez-vous bien, Family. On se revoit très très prochainement dans un nouveau live, soit dans une prochaine vidéo. Moi, c'est Vima Wété. Hey, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, soutenez la chaîne. Pendant ces temps-ci, masque, n'oubliez surtout pas, port de masque, distanciation sociale. Eh bien, écoutez, joyeux Noël à vous et surtout, bonne année 2021 à toi. Ciao!